Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Aujourd'hui, pour changer des leçons de grammaire, je vais vous parler de quelques expressions idiomatiques en lien avec le verbe manger. Vous êtes prêts? C'est parti! Première expression, manger comme quatre. Manger comme quatre, hein, c'est manger beaucoup et même énormément. Manger excessivement, comme quatre personnes. On dit aussi manger comme un ogre. Exemple, les garçons grandissent, ils mangent comme quatre. Deuxième expression, manger sur le pouce. Manger sur le pouce signifie manger très vite, à la hâte. Alors, le pouce représente ici le doigt. Hein. Quand on mange sur le pouce, on ne se met pas à table. On va manger un sandwich debout. Et donc, on va se servir de ses mains et donc de ses pouces. On dit aussi manger avec un lance-pierre, ce qui signifie aussi manger rapidement et peu. Car lance-pierre, comme son nom l'indique, sert à lancer des pierres. Alors, l'équivalent britannique de l'expression « manger sur le pouce » est « to eat on the go », ce qui montre bien la rapidité. On avale une bouchée et hop, on repart. Alors, exemple, le midi, j'ai peu de temps pour un vrai repas, donc je mange sur le pouce. Troisième expression, « manger son pain blanc ». Cette expression signifie « passer d'un état heureux à un autre qui ne l'est pas. L'expression exacte est manger son pain blanc en premier. Elle remonte au XVIe siècle. À l'époque, le pain, pour les gens du peuple, n'était pas fait avec de la farine blanche, qui est une farine débarrassée des impuretés, c'est-à-dire des germes et du son de blé. Les gens pauvres mangeaient plutôt un pain grisâtre. Et le pain blanc était réservé aux gens de la haute société. Mais lorsqu'ils pouvaient avoir de la farine de qualité, plus blanche, les gens du peuple faisaient du pain donc plus clair et ils avaient tendance à le manger en premier et garder le pain noir pour plus tard. D'où le dicton « si tu manges ton pain blanc en premier, tu manges ton pain noir plus tard ». Et ce dicton s'est généralisé à toutes sortes de situations. Alors commencer par faire les choses agréables, c'est manger son pain blanc. Mais la vie n'est pas faite que de moments agréables, elle est parfois suivie de situations désagréables assimilées au pain noir. Donc l'expression manger son pain blanc s'emploie généralement a posteriori lorsqu'une personne a bien profité de quelque chose avant de se retrouver dans une situation moins heureuse. Manger son pain blanc, c'est profiter avant d'être en difficulté. Et d'ailleurs, l'expression italienne correspondant à manger son pain blanc au premier, c'est cominciare dal più piacevole, c'est-à-dire commencer par le plus agréable. Alors, pour information, manger son pain noir serait une expression d'origine québécoise, selon le dictionnaire historique de la langue française. Alors, exemple, il a mangé son pain blanc, aujourd'hui il est ruiné. Quatrième expression, bête à manger du foin. Être bête à manger du foin, c'est être complètement idiot, stupide. On dit aussi être bête comme ses pieds. C'est une expression attestée dès le XVIIIe siècle. Le mot foin, qui est l'herbe fauchée destinée au fourrage pour nourrir les animaux, désigne quelque chose qui a peu de valeur. Être bête à manger du foin, c'est donc être stupide au point de manger quelque chose sans intérêt. Alors pourquoi bête? La bête désigne l'animal, tout ce qui n'est pas un être humain. Dès l'Antiquité, l'accent a été mis sur la férocité et le manque d'intelligence des animaux, donnant entre autres le mot belluaire, qui désigne le gladiateur tout en muscles, hein, particulièrement un peu pourvu de matière grise. Être bête
apparaît dès le XIIIe siècle pour parler de quelqu'un de stupide. Mot qui vient de stupeur, qui est un engourdissement de l'esprit. Et en psychiatrie, un état stuporeux est un état de sidération, un état dans lequel la conscience est modifiée, entraînant une incapacité à ressentir, penser, juger, ainsi que d'agir ou réagir de façon appropriée à une situation. Au XVIIIe siècle, le mot « bête » devient courant et les différents auteurs de l'époque y ajoutent une caractéristique particulière, « bête comme un âne »,« bête comme une oie » ou « comme une cruche ». Néanmoins, Flaubert a écrit dans son dictionnaire des idées reçues « bête ». Ah, si les bêtes pouvaient parler, il y en a qui sont plus intelligentes que les hommes. Eh oui, ne sous-estimons pas l'intelligence des animaux. Mais revenons à notre expression « bête à manger du foin » avec un exemple. Ben, tu ne vois pas ce qu'elles font, mais alors tu es bête à manger du foin. C'est extrait donc du livre « La gueuse » de Jean-Pierre Chabrol. À ne pas confondre avec le cinéaste qui s'appelle Claude Chabrol. Cinquième expression, manger dans la main de quelqu'un. Manger dans la main de quelqu'un signifie être soumis et dépendant de quelqu'un. Quand on mange dans la main de quelqu'un, on est comme un animal qui a été apprivoisé, domestiqué et qui accepte de manger dans la main de la personne qui l'a apprivoisé. Alors, manger dans la main de quelqu'un, c'est donc être obéissant, ne pas résister, toujours acquiescer, hein, être aimable et gentil. Exemple, depuis qu'il a gagné au loto, tout le monde lui mange dans la main. Sixième expression, manger du lion. On dit aussi bouffer du lion. Cela veut dire avoir beaucoup d'énergie, être en pleine forme. Cette expression fait référence aux lions qui sont des animaux pleins d'énergie et de force. Car le lion est considéré comme un animal noble, fort et courageux, mais aussi agressif et cruel. Donc, il a beaucoup d'énergie et il est très combatif. Donc, quelqu'un qui a mangé du lion a de l'énergie à revendre et est combatif dans la vie. Alors, l'expression s'utilise plus souvent avec quelqu'un dont l'énergie ou la combativité étonne par rapport à son comportement habituel. Exemple, tu es en forme ce matin, tu as mangé du lion ? Septième expression, manger à tous les râteliers. Manger à tous les râteliers désigne le fait de tirer profit de toutes les sources possibles, de profiter d'un maximum de choses égoïstement. Alors, un râtelier est une mangeoire dans une écurie ou une étable, un objet, hein, dans lequel les animaux peuvent manger. Et un animal va souvent manger dans le râtelier de son voisin et profiter de sa nourriture. Il ôte sans vergogne le pain, ou plutôt le foin, hein, de la bouche du voisin. Donc manger à tous les râteliers, c'est piocher sans hésiter dans tout ce qui peut être bénéfique et profiter sans scrupule de toutes les situations possibles. En un mot, être opportuniste. Alors, on dit aussi bouffer à tous les râteliers. Le verbe bouffer est synonyme de manger en langage familier. Et dans cette expression, utiliser bouffer au lieu de manger permet d'accentuer le mépris qu'on ressent envers la personne qui profite de la situation. Exemple, il a emprunté de l'argent à ses grands-parents, à sa sœur et maintenant à son meilleur ami. Il mange vraiment à tous les râteliers. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également laisser un commentaire et m'indiquer des thèmes ou des expressions que vous souhaiteriez me voir aborder. À très bientôt.